Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir aujourd'hui la leçon de la conjugaison, ce titre, le verbe. L'abeille danse sur une fleur. L'abeille danse sur une fleur. Que fait l'abeille? Très bien les enfants, l'abeille danse. Alors le mot danse, c'est quoi? C'est un verbe, très bien. Danse. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Le verbe, c'est un mot qui exprime une action ou bien un état. Il marche sur le trottoir. Voyons cette phrase. Que fait cet enfant? Il marche. Très bien. Marche, c'est un verbe ici. L'enfant lave ses mains. Que fait cet enfant? Il lave ses mains. Lave, ici, c'est un verbe. Très bien. Les verbes marche et lave, ce sont des verbes d'action. Voyons une autre phrase. Le chat semblait malade. Le chat semblait malade. Le verbe ici, c'est sembler. Sembler. Très bien, les enfants. Mon père est un architecte. Mon père est un architecte. Et c'est un verbe. Et c'est un verbe. Les verbes sembler et, ce sont des verbes d'état. Le verbe est très important dans la phrase. Sans verbe, la phrase n'a aucun sens, comme la voiture ne peut pas marcher sans moteur. La phrase sans verbe n'a aucun sens. Très bien. Par exemple, l'abeille danse. Les abeilles dansent. Nous danserons. Elle dansait. Vous voyez ici la terminaison des verbes qu'on a, ça change. Très bien. La terminaison change. Alors on dit que le verbe se conjugue. Le verbe ici se conjugue. Voyons quelques phrases. Essayez de trouver tous les verbes qu'on a. Maman ouvre la porte. Il dessine un arbre. Vous semblez fatigué. Le chien aime son maître. Elle est belle. Alors, ici, on va trouver les verbes dans ces phrases. Est-ce que c'est clair? Alors, la première phrase, maman ouvre la porte. Le premier verbe, c'est, très bien les enfants, c'est ouvre. On va le souligner. La deuxième phrase, il dessine, ou bien il dessine un arbre. Là, le verbe ici, c'est dessine. Très bien. Vous semblez fatigué. Le verbe ici, c'est très bien les enfants. Semblez. Et la quatrième phrase, le chien aime son maître. Le verbe ici, c'est bravo. Aime. Et finalement, elle est belle. Elle est où le verbe? Très bien. Le verbe c'est est. Alors, notre leçon arrive à sa fin. Merci pour votre attention et à bientôt.